Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, je vais vous montrer l'avancée des travaux dans ma maison. Oui, voilà, écoutez, j'ai plutôt bien avancé, enfin j'ai eu de l'aide, bref, je vous dirai en temps et en heure de qui, bref, tout ça, tout ça. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qui a avancé au niveau des travaux dans ma maison. Donc voilà, ça va être une vidéo un petit peu déco et encore, bricolage, tout ça. Voilà, c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de faire, mais bon, vous m'avez beaucoup demandé l'avancée des travaux, donc je m'exécute. Bref, voilà, nous allons y aller, parce que là, c'est le dressing qui n'a pas avancé. Enfin, vous avez vu en fait tout ce qu'il y a eu dans le dressing, et j'ai rien fait depuis, tant que j'ai pas mes fenêtres, je peux pas faire la peinture. Et je vous ferai un dressing tour, promis, mais dès que mes fenêtres seront arrivées, que j'aurai fait la peinture. Enfin, dès que ça sera fini vraiment, mais même dans même pas un mois normalement, hein, ça sera fait, donc ça va arriver, vous inquiétez pas. Bref, si la vidéo vous intéresse, c'est parti, let's go! Bref, je pense que vous n'êtes vraiment pas prêt à ce qui va suivre, c'est-à-dire que y a des choses, mon dieu, vous allez dire comment peut-elle vivre là-dedans? Je me demande aussi, et il y a des choses, je me dis putain, je suis vraiment fière de ce que ça donne. Donc on va y aller. Bref, donc attendez, j'essaie de pas tomber, c'est un peu le hasard ici. Regardez l'état des murs quand même, j'ai vraiment hâte de les peindre parce que mon dieu. Ok, donc là je sors du dressing, donc là je vais, c'est dans la cage d'escalier genre. Oui mon petit cœur. Oh oui mon petit bébé. Bon là le petit bisou obligatoire à mon amour. Tiens, fais bisous maman. Bon elle fait des bisous à la caméra, c'est déjà pas mal. Mais moi j'ai pas droit à mes bisous. Ok bref, donc là on est dans la chambre n'a rien changé. Désolée, il y a la fenêtre ouverte et il y a les travaux donc je vais partir. J'ai vraiment hâte d'avoir mes nouvelles fenêtres, enfin aussi dans ma chambre, comme ça je pourrais faire vraiment la peinture de tous les murs. Parce que du coup voilà, là j'ai enlevé tout le papier peint mais j'ai pas fait la peinture tant que j'ai pas mes nouvelles fenêtres. Bref, mon lit king size 2 mètres par 2 mètres, c'est génial. Même si je dors seule avec mes chats, c'est vraiment très très bien. Bref, donc là, on va passer donc au couloir, enfin au haut de l'escalier, qui a avancé, c'est-à-dire que là, j'ai fait la deuxième couche de la peinture aujourd'hui, donc c'est fini. C'est-à-dire que là, la peinture a été faite tout là, tout là. Attendez, je vais vous montrer sans ma tête quand même. Donc voilà, là, tout là, la peinture, elle a été faite tout à l'heure, là, là. Pas l'escalier encore, mais bref, tout ça, ça a été fait. Faut savoir une chose, la dernière fois je suis tombée, je vous avais raconté un petit peu, en fait j'avais l'escabeau ici, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai dû faire genre une petite chute de tension parce que ça m'est encore arrivé tout à l'heure, quand je mange pas de la journée. Bref, j'ai failli, en fait je suis tombée de l'escabeau la dernière fois, pas aujourd'hui, j'ai presque failli, enfin j'ai failli. Mais la dernière fois je suis vraiment tombée, c'est-à-dire que j'ai vu ma vie défiler, j'avais 45 000 bleus, j'ai eu très très mal. Mais je suis pas morte, c'est déjà ça. Imagine, je serais passée par dessus la rambarde là. Là je serais morte en fait. Bref, l'état de l'escalier c'est pareil, ça n'a pas été peint et ça va pas être fait par moi-même parce que je tiens ma vie. Déjà j'arrive à tomber alors que je suis montée sur deux marches sur l'escabeau. Donc l'escalier, j'ai pas envie de mourir. Là la petite fenêtre va être changée. Pareil, j'attends du coup qu'elle soit changée avant de faire la peinture. Et donc là voilà, tout l'escalier va être peint, enfin côté ici, côté derrière et côté là. En fait avant c'était une petite toile que j'ai enlevée parce que ça m'a gonflé. Bref, donc là je descends. Est-ce que vous avez vu dans la buanderie? Bah, je vais tout vous montrer un petit peu en fait. On va faire ça. Dans la buanderie, ça a un petit peu changé. C'est-à-dire que là, on a mis machine à laver, sèche-linge. Je crois que ça, vous aviez pas vu. Du coup, je suis contente parce qu'au moins, je fais mes machines ici et plus dans le garage comme avant. Donc voilà. Par contre, ça sera mis l'un sur l'autre après. Mais pas tout de suite. Là, c'est vraiment encore le bazar, la buanderie. Mais c'est une des pièces que je vais pas toucher tout de suite. Ça sera vraiment en dernier recours quand tout le reste sera fait, entre guillemets. Non, bébé. Non, allez, viens. Elle veut se suicider. Oh là là. Non, 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 non. Allez, viens là. Vous savez que l'autre jour, ici, la fenêtre, elle était ouverte. Et il y a mon chat, en fait, qui est tombé de la fenêtre. Pas celle-ci, mais l'autre. Voilà, celle que vous entendez miauler en bas. J'arrive, mon cœur. Non, 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 pas non. Bon, bref, nous allons descendre. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Regardez-moi mon petit cœur. Là j'ai un peu nettoyé les escaliers tout à l'heure, ça fait du bien parce que mon dieu l'état dans lequel c'était. Je vous raconte pas. Bref, je descends, on va essayer de pas tomber. Là en bas ça a changé de fou, mais vraiment de fou. Attendez, je vous montre, je retourne la caméra. Ok, alors là je suis en train de faire vraiment la peinture partout. Le plafond a été peint, le sol a été posé. Oh, ça a trop avancé. Donc là il y a les plinthes, donc là c'est vraiment en travaux encore hein. Donc là tout le mur là était bien peint, le plafond pareil. Par contre là faut que je repasse une couche parce que regardez, vous voyez encore les traces. Pourtant Dieu sait que j'ai passé 15 000 couches et là le mur s'est arraché quand je commençais à, quand je finissais la couche, j'avais envie de pleurer. Bref, donc là faut que je refasse au moins une bonne couche ou deux. Mais voilà, mes fenêtres, donc ça on n'y touche pas. Mes petits spots, faut que j'enlève mes scotch, mais ils sont posés. Là il va y avoir ma télé au mur avec mon meuble suspendu. Ma table basse et mon canapé, donc ça, ça sera mis plus tard. Sinon, regardez, mon sol est vraiment trop magnifique. Là, il va y avoir mon poêle à peler. Et regardez ma cuisine. Bon, attendez, mon canapé, là, en ce moment, il est comme ça.
lui va virer. Mais attendez, regardez. Oh là là, j'ai envie de pleurer, je suis trop contente en fait. Bon, là, c'est toujours le bazar. Ça, c'est ma nouvelle chaise que je viens de monter. Bon, ma table basse. Bon, là, c'est comme ceci. Comme ça se présente comme ça pour l'instant. C'est vraiment le bazar. Je vis là-dedans. Moi, j'ai envie de mourir. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'avance dans les bâches, les peintures et tout. Là, regardez ma cuisine. Là, on a rajouté un petit bout de placo qui n'est pas encore terminé. Mais il faut que je le termine. Mon frigo, pareil, je vais changer. Donc pour l'instant, c'est pas très grave. L'état de mon canapé. Bref, regardez ma cuisine. Bon, je vous la montrerai vraiment mieux plus tard. Mais là, je vous montre un petit peu comme ça. Là, j'ai mon petit bar. Désolée pour mon chien qui aboie, m'entend avec la fenêtre ouverte. Elle va pas arrêter. Je vais fermer la fenêtre, je pense, sinon ça va être pénible. Regardez, bon, là, c'est vraiment le bazar. Mais regardez ma crédence, elle est trop belle. Ma hotte. Mon micro-ondes, mes meubles hauts. Mon lave-vaisselle, mon four, ma plaque, mes meubles. Oh là là, je suis trop contente en fait. Oui, mon petit cœur. Mon frigo, bon, il va être changé, mais voilà. Encore des meubles. Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Mon bébé, mon amour. Oh, t'es belle. Oh, t'es belle. Oh là là, t'es trop belle. Doucement. Et... bon, j'arrive, mon cœur. À tout de suite. À tout de suite, mon bébé. Tais-toi, toi. Ah non, hein. Chut, tais-toi. Oh là là, le bruit, c'est horrible. Bref, donc là, voilà mes meubles hauts. Et là, j'ai d'autres meubles. Bon, c'est vraiment le bazar parce que, bah, pour l'instant... Tu veux que je t'aide? Eh? Non, arrête. Bref, du coup, voilà, en tout cas, ça a quand même bien, bien avancé. Je suis trop contente. En fait, là, elle jappe sur le chat. Tais-toi. Elle me regarde comme ça. Elles sont obligées de manger en hauteur parce que sinon le chien mange les croquettes des chats. Et attendez, parce qu'il y a aussi dehors qui a tout changé. Mon portail était posé, je vais vous montrer ça. Attendez, elle me regarde, elle me stresse un peu. Regardez le devant de ma maison qui a bien changé déjà. Bon, par contre l'état de mes fenêtres, on n'en parle pas. Même ma tête, toujours plus près moi en plus. Regardez mes... Bon, attendez, j'ouvre la fenêtre. Vous me direz, il y a les travaux. Mais regardez, là, ma clôture était posée avec mon portail. Je suis trop contente. Donc voilà, ça c'est devant chez moi, ça se présente comme ceci. Bon là, faut que je fasse bien, mais on verra plus tard. Mais voilà, je suis trop contente, tout ça, ça a été fait. Mes pilias, elles ont été posées, donc les deux là. Bref, c'est trop beau. On va fermer parce que le bruit, ça va 2 minutes. L'état de mes fenêtres, il faut vraiment que je les lave. Mais on verra quand la peinture sera finie. Là, il faut que je repasse une couche, mais je pense que je la ferai soit ce soir. Là, j'ai quelques trucs à faire. Ah, on ne me voit pas. J'ai quelques trucs à faire et après, je pense que quand je rentre, je refais une petite couche de peinture. Et après, comme ça, je peux enlever les bâches. Faudrait que je colle les plinthes. Et après, comme ça, je pourrai monter mes meubles et mon canapé. J'ai trop hâte. Mon père va m'amener mon nouveau canapé. Bon, il n'est pas monté, mais bref. Et comme ça, celui-là, l'ancien canapé, je vais le virer. Parce que bon, pour l'instant, enfin, voilà le canapé dans quel état il est, quoi. Bref, du coup, voilà. Et attendez, aussi dans le jardin, je vais vous montrer après. Là, du coup, c'est mon petit tabouret que j'ai monté aujourd'hui. Il est trop bien, ce tabouret. 129 €, tu m'étonnes. Et sinon, dans le garage, c'est toujours vraiment le bazar. Mais on avance quand même. Ça a quand même grave avancé hein, depuis que je vous avais montré la dernière fois. Le plafond a été fait, le sol, les murs, la cuisine, le portail. Et là, regardez le dehors dans mon jardin quoi. J'ai les palissades qui ont été mises tout autour. Bon là, vous voyez pas très bien, mais je vous montrerai mieux un autre moment quand tout sera fini. Un petit transat, là j'ai mon salon de jardin, ma table, ma pergola, mes fenêtres qui sont là et qui sont pas posées. J'ai envie de mourir. Bref. Mon chien et mon chat. Bref, mais voilà mes palissades tout autour. Je suis vraiment très contente qu'elles soient enfin posées. Comme ça, je peux bronzer dans le jardin. Vous me direz quoi? Il n'y a plus de soleil, j'ai envie de pleurer. Mais bon, moi, je peux être dans le jardin tranquillement. Là, il faut que je mette ça à la déchetterie. La palissade là aussi. Bref, qu'est-ce qu'elle fait? Mais voilà, bref, je suis trop contente parce que ma maison avance enfin. C'est génial, vraiment. Et je vous montrerai encore hein, l'avancée des travaux quand ça aura vraiment bien avancé. Quand mon salon et ma cuisine seront vraiment terminés, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous montrer vraiment bien avec mes meubles, tout aménagé et tout. C'est pas tout de suite, mais ça va arriver bientôt. Je pense que si c'est un mois, je vous remontrerai un petit peu l'avancée. Mais en tout cas, je suis trop contente, ça avance. Enfin, c'est trop bien, quoi. Bref, voilà, en tout cas, que du positif qui arrive dans ma vie. Je suis vraiment trop bien en ce moment, mais voilà, bref. Je suis très heureuse, donc c'est cool. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais je suis très contente. Bref, du coup, voilà, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Moi, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vais aller manger. Elle est insupportable à brailler, elle, du matin au soir, j'en peux plus. Mes voisins au PLS, hein. Moi j'ai des voisins avec un chien comme ça qui aboie toute la journée, moi je pète un câble. Hein. Il y a toujours des gens qui passent,
C'est gênant. Bref, ben voilà, en tout cas, je fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à 10h sur ma chaîne. Bye.